Au Burkina Faso, ils sont nombreux ces jeunes qui parcourent les rues pour vendre des produits de tout genre afin d'assurer leur survie quotidienne. Alidou, père d'un garçon de 2 ans, est l'un de ces vendeurs ambulants. Nous découvrons avec lui ce métier peu envié au regard du périple qu'il fait chaque jour. Ce n'est pas d'étonnement envers les commerçants ambulants comme ça. C'est qu'ils ont occupé aussi des armes aussi qui me conviennent pas. Quand il arrive comme ça, bon, il boucle le passage. Donc les clients ou les chevaliers là n'arrivent pas à passer. Donc c'est là seulement on n'arrive pas à s'attendre. Les dit seulement, bon, patientez-vous. Il faut écarter un peu, vous pouvez laisser quand même le passage là pour faciliter la tâche des services et puis le passage des clients aussi. Sinon, si vous interdisez de ne pas rentrer ici, nous tous sommes des commerçants. Voilà, on est là, on cherche à manger. Vous aussi, vous aussi qui êtes en train de circuler. Voilà, c'est à manger aussi que vous cherchez. Ce métier exige une très bonne condition physique. Ce n'est pas ce qui manque à ces jeunes. Mais après avoir parcouru des dizaines de kilomètres,
il faut se reposer et se restaurer afin de prendre des petites forces pour la suite. Alidou tient bon en espérant que demain sera meilleur. Mais en attendant, il devra faire face à ses charges quotidiennes avec un revenu mensuel de moins de 18 000 francs CFA. Je pas sûr que nous sommes en cours. Dépend. Voilà. Allez, voilà. Il n'y a pas de temps. La Charte universelle des droits de l'homme dit que tout travailleur a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. Mais cela reste une utopie pour Alidou et les nombreux jeunes qui parcourent les rues de la ville de Ouagadougou. Droits Libres TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.